Quand on prononce le mot Claymore, on pense automatiquement à deux choses. On pense tout d'abord à ce magnifique outil qu'est le M18A1 Claymore, une mine antipersonnelle dont l'utilisation ravira les petits et les grands afin de déposséder de leurs jambes leurs petits camarades qui s'en approcheraient de trop près. Sauf que ça n'a pas beaucoup de rapport avec la chaîne, vous en conviendrez. Aujourd'hui, on va parler de la Claymore, l'épée, arme iconique des fiers Highlanders, écossais vivant dans les Highlands, chargeant sans peur ni reproche avec cette immense épée à deux mains, faisant des ravages dans les troupes ennemies. Mais est-ce que la Claymore, c'est vraiment cette arme-là? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Une Claymore, c'est quoi? Quand on évoque le terme Claymore, on pense tout de suite à l'arme que porte par exemple William Wallace dans le film Brevin. Une immense épée, semblable à une montante qui se portait dans le dos. Ce terme est aussi énormément repris dans les jeux vidéo comme Mordo, Skyrim ou même Chivalry pour désigner cette épée, avec sa fameuse garde en V possédant des trèfles à quatre feuilles à ses extrémités. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Enfin, pas tout à fait en tout cas. Comme d'hab, en fait. En réalité, le terme Claymore est un terme gaélique qui signifie épée large. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est une épée énorme, juste que c'était en opposition aux armes civiles qui étaient tendance à cette époque. Soit la rapière et l'épée de cour, qui, elles, avaient des lames très fines. Et oui, parce que les armes, c'est comme les fringues, il y a des modes. Le terme Claymore a été utilisé pour la première fois pour parler des sabres écossais du XVIIe siècle, avec une garde en forme de panier comme celle-ci. Et vous avouerez qu'on est quand même très loin de l'épée à deux mains qu'on imagine. L'usage de ce mot va alors s'étendre au 19e siècle à pas mal de lames écossaises possédant cette garde. Mais ces lames, ce ne seront pas forcément des sabres comme on a tendance à le croire. En fait, on parlera plutôt de backsword pour les lames à un tranchant, donc les sabres, et de broadsword pour les lames à deux tranchants, donc les épées. Par exemple, en 1715, Rob Roy MacGregor et ses hommes sont décrits comme armés de fusils, de pistolets et de claymores robustes à leur côté. Et ici, le terme Claymore est bien utilisé pour décrire des épées à lame large, ne s'utilisant qu'à une main et avec une garde en forme de panier. Autre exemple, en 1745, lors d'une description des Highlanders du 42 Regiment of Foot, le Black Watch. Yes. On parle d'eux comme portant des Claymores, pistolets et mousquets. Or, on sait que les soldats de ce régiment combattaient notamment avec des épées à lame large et avec une garde en forme de panier, et qui ne s'utilisaient qu'à une main encore une fois. Il y a plein d'autres exemples, et si vous en voulez, je vous invite à aller regarder les sources en description. A noter que les épées comme les backswords et les broadswords ne sont pas des épées 100% écossaises. Elles ont pas mal circulé dans l'espace britannique, comme par exemple en Angleterre ou en Irlande, mais elles sont devenues une arme iconique en Écosse, notamment après les révoltes jacobites. Mais du coup, qu'en est-il vraiment de cette grande épée à deux mains? Est-ce qu'elle a existé, ou est-ce que c'est vraiment du pur fantasme? Et du coup, cette épée, vous allez certainement être très déçus, mais... Mais elle a existé, oui, vous inquiétez pas, c'est pas des conneries. En effet, les Écossais avaient bel et bien des épées à deux mains, souvent appelées Two-Handed Sword ou Half-Long, car certaines d'entre elles pouvaient être utilisées à une main ou à deux mains, un petit peu dans l'idée de ce qu'on appelle des épées bâtardes. Mais bien qu'elle ait existé l'image assez romantique du Highlander combattant avec son immense épée à deux mains qu'on appelle Claymore, est loin d'être vraie. Ah, disons que ce sont des exceptions et que la plupart des Claymores qu'avaient les Highlanders, c'était des backswords ou des broadswords. Les épées à deux mains étaient beaucoup plus populaires en Écosse avant que l'épée avec la garde en forme de panier ne devienne omniprésente. Et lorsque la popularité de cette épée à une main a augmenté, la popularité de l'épée à deux mains est fatalement diminuée. Encore une fois, on en revient aux effets de mode. Mais du coup, c'est la même chose pour la rapière, l'épée de cour ou l'épée de côté qui ont peu à peu remplacé l'utilisation de l'épée longue. En fait, avant que les épées avec une garde en panier ne deviennent extrêmement populaires en Écosse, ils utilisaient globalement les mêmes armes que dans le reste de l'Europe. Entre autres des épées longues et des grandes épées à deux mains, qu'on appelle souvent espadons d'ailleurs. Et c'est ce qu'on associe de manière un petit peu erronée à la Claymore. Ce qui en fait son énorme popularité aujourd'hui, c'est déjà sa forme assez caractéristique, et aussi le fait qu'on en a retrouvé beaucoup, et ça joue quand même pas mal sur la popularité d'un objet historique. Nous avons des descriptions d'Écossais utilisant ces immenses épées, notamment un hispanique qui a participé au premier soulèvement jacobite qui a vu l'un des Écossais l'utiliser pour protéger un chef de clan sur le champ de bataille. Et il le décrit en faisant de grands cercles. On est totalement dans l'idée de ce dont je vous avais parlé dans mon épisode consacré à l'espadon, et en fait cette arme ce n'est ni plus ni moins qu'une montante espagnole, c'est juste que voilà, elle a un style un peu plus écossais quoi, un peu plus celtique. On va dire. Donc voilà, le terme Claymore désigne beaucoup plus les épées à une main avec une garde en forme de panier que des grandes épées à deux mains. Et du coup, la plupart des Highlanders ne se battaient pas avec ces armes-là, c'était vraiment des exceptions, comme par exemple les gardes du corps des chefs de clan ou des personnes importantes. Du coup, encore une fois, un petit peu comme dans le reste de l'Europe. Mais bon, faut quand même un peu nuancer, parce que avant que les backswords et broadswords ne deviennent populaires en Écosse, il n'est pas exclu
que le terme claymore ait pu désigner des grandes épées à deux mains. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout un terme ultra fourre-tout qui désigne beaucoup d'épées écossaises. Par exemple, dans les musées, le terme claymore désigne aussi bien les grandes épées à deux mains que les épées style broadsword et backsword. Et là, on est un petit peu dans le même souci que ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur le marteau de guerre, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas fait. En ce qui concerne son utilisation, je vous laisse en description une source décrivant des techniques, mais globalement, ça se rapproche énormément de tout ce qu'on a pu voir, notamment avec le combat au sabre. Donc il n'est pas forcément nécessaire que je vous montre des techniques vraiment précises dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois je vous invite à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci aux membres de l'association De Taille et des Stocks qui m'ont aidé à écrire cette vidéo. Et quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice.